Sur la centaine de tentes installées hier dans cette rue, il n'en reste plus que deux, accrochées comme des banderoles. Ce matin, peu avant 5 heures, des policiers en nombre ont évacué les 200 personnes qui campaient rue de la Banque, principalement des femmes et des enfants. L'opération s'est déroulée dans le calme, selon la préfecture, une version contestée par les mal logés. C'est vraiment catastrophique, nous faire peur. Il y a des enfants effrayés et tout ça. Ça se fait vraiment pas, ça se fait pas du tout. C'était traîné par terre, les enfants sur le dos qui se cognaient sur le sol. Et une dame qui a la jambe foulée, qui a été emportée par les pompiers, donc traînée sur le sol. C'était aberrant. Une trentaine de personnes a été emportée dans un centre d'hébergement aux portes de Paris. Les autres ont fui par le métro en emportant leurs affaires ou bien se sont réfugiés tout près à l'intérieur du ministère du Logement, un immeuble où s'est installé le DAL. L'association qui dénonce aujourd'hui les méthodes employées face aux mal logés. La police est intervenue. Le choix du gouvernement d'employer la force n'est pas le bon choix. Il faut maintenant amener des solutions concrètes. La mobilisation ne se dira pas, promet l'association. L'Assemblée générale doit avoir lieu aujourd'hui pour des propositions à venir.